Bonjour à tous, tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris, avant la publication des indices PMI européens de l'année. On suivra Plastic Omnium qui a enregistré 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012, en croissance de 13,9% par rapport à l'année précédente grâce à la branche automobile. Veolia Environnement et Suez Environnement sont avec le groupe américain General Electric, trois des quatre candidats présélectionnés pour un appel d'offres supérieur à 1 milliard d'euros dans le gaz de charbon en Australie d'après le site internet des Échos. Et puis Technip a remporté un contrat à 9 chiffres en Inde. Et on suivra le secteur technologique. L'action Apple a plongé de près de 10% cette nuit dans les échanges post-séance. Le groupe américain a publié hier soir des résultats globalement décevants pour son premier trimestre fiscal et a fait des prévisions prudentes, semant le doute sur son futur potentiel de croissance. Ce matin, les cours des fournisseurs asiatiques d'Apple sont donc en berne. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à midi.